serai pas plus long, je voudrais donner la parole à Myriam Rémeunier, parce que France Chimie, c'est une organisation professionnelle, elle le dira mieux que moi, qui est excessivement importante dans le domaine de la chimie, et sans sa contribution, cette journée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, je te passe la parole. Merci Olivier. Bonjour. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de chimie, vous pensez blouse blanche, paillasse. Mais pour nous, c'est avant tout une industrie. Du bleu de travail, des chaussures de sécurité, des innovations pour vivre mieux, nous dépasser, consommer durablement. Je suis Myriam Rouet-Meunier, je représente France Chimie Centre-Val-de-Loire. C'est l'organisation professionnelle qui rassemble les entreprises industrielles de la chimie en Centre-Val-de-Loire. Alors, je ne vais pas dire que ça. Avant toute chose, quelques chiffres. Nous sommes en science, beaucoup de chiffres, toujours des chiffres et des règles, des consignes. Alors, la chimie, c'est 10 000 salariés dans notre région qui sont dans environ 230 établissements. Si je compare, la branche, c'est 230 000 salariés dans la France entière, dans 4 000 établissements. Comparons encore, en région Centre-Val-de-Loire, ce sont 136 000 salariés dans 5 500 établissements. Vous imaginez bien la variété, la diversité des entreprises et des jobs dans ces entreprises. Si je reviens à la chimie, parce que c'est mon sujet de cœur et c'est le sujet d'aujourd'hui, près de la moitié de ces salariés, de ces 10 000 salariés, sont dans une industrie qui est dite phare de notre région, avec une autre industrie, celle du médicament, mais celle de la chimie dont je vous parle, c'est la cosmétique. La cosmétique qu'évidemment vous avez identifiée, parce qu'elle rassemble les entreprises les plus grandes et les plus visibles. Vous achèterez beaucoup plus aisément, après un joli spot TV, un parfum chez notre industriel le plus grand de la région, les parfums Christian Dior, à Noël par exemple, qu'un adjuvant pour le béton parce que vous allez refaire votre terrasse. Et oui, la cosmétique, c'est du B2C, dont vous les voyez, mais pensez à toutes ces autres entreprises que vous n'avez pas forcément identifiées. C'était important pour moi de vous dire ceci, parce que les entreprises de la chimie ont besoin de vous. Rejoignez-nous, parce que nous recrutons des chimistes, mais pas que. Et comme vous allez le comprendre, nous ne recrutons pas que des chimistes, mais d'autres secteurs d'activité recrutent des chimistes. S'ils recrutent des chimistes, ce sont dans les métiers de l'analyse, du contrôle, mais également dans les métiers de la production, de l'innovation, du développement. Nous avons besoin de vos compétences, de vos savoir-faire, de vos savoir-être pour l'innovation, l'hygiène, la sécurité, l'environnement. Parce que vous êtes compétents en formulation, en synthèse, en génie des procédés chimiques. Pourquoi nous rejoindre ? Parce que la chimie, c'est le premier exportateur industriel de France, 80 milliards d'euros en 2022 devant l'aéronautique et l'agroalimentaire. Parce que les innovations de la chimie apportent des solutions dans votre quotidien pour vivre mieux, disais-je tout à l'heure, avec les vitamines, les shampoings, les détergents, les isolants, pour nous dépasser, communiquer avec les tissus intelligents qui limitent la fatigue musculaire, avec des solutions pour le recyclage, des solutions pour l'efficacité énergétique. Parce que la chimie s'est engagée depuis les années 90 dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. C'est le Responsible Care, c'est depuis 1990, et l'ONU nous a reconnu cet engagement comme une RSE sectorielle. Toute la chimie mondiale
est inscrite dans cet engagement de progrès pour diminuer notre empreinte environnementale. Depuis les années 90, la chimie a réduit de 60% ses émissions de gaz à effet de serre et va poursuivre sa trajectoire de décarbonation en intégrant de nouveaux procédés, de nouvelles technologies. Nouveau, parce qu'on invente, on innove pour faire un monde plus durable, parce que vous, chimistes, vous allez contribuer à ce monde plus durable avec vos nouvelles idées, votre nouvelle façon de penser. Alors rejoignez-nous sur chimie.work ou sur Insta avec Grâce à la chimie. Merci de votre attention.